Salut YouTube et bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle session de jeux vidéo gaming. Mais surtout aujourd'hui nous allons découvrir Spelunky 2. Je me souviens plus si j'avais fait des VOD sur Spelunky sur ma chaîne il y a longtemps, je crois pas, mais en tout cas j'y avais pas mal joué, j'y avais joué une bonne 20, 30, quarantaine d'heures peut-être, et quelques heures en live seulement, mais j'avais bien kiffé Spelunky 1, et du coup le 2 vient de sortir, et donc bah, il faut qu'on découvre ça, il faut qu'on voit les bails. Alors est-ce que ça va se lancer? Là est la question. Allô? Est-ce que ça s'affiche? Oui! Insane. Alors vraiment, je vais le découvrir totalement, je me suis absolument rien spoilé, je n'ai absolument rien vu, donc on va profiter de ce qui se passe. Alors déjà, dans l'espace, tout va bien. Et le chien ne meurt pas. Il n'y a pas de scaphandre, il n'y a rien. Pff, on va pas se poser de questions, hein. Ok. Sans savoir si j'étais vraiment prête, j'ai pris une grande inspiration. Et j'avais hâte de découvrir ce que cette aventure me réservait. Qui est cette personne d'ailleurs? C'est fort! Est-ce que c'est fort chez vous aussi ou est-ce que c'est que moi qui me tue les oreilles à chaque fois? Je vais mourir en fait. 300ème fois que j'ai un streamer ce soir déjà. Un pur plaisir. J'ai pris une grande inspiration et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'air. Fin. J'avoue que, bon, on est sur la lune quoi. Donc déjà on est sur la lune, hein. Il y a des choses qui se passent, hein, très clairement. C'est toujours fort, si ça pouvait s'arrêter. Ouais. Ah mais non, mais... Ouais. Ça me semble pas mal, hein. Oui, c'est bien là. Ok, alors je vais jouer à la manette pour la première fois dans ma vie, à Spelunky. Avant j'ai joué au clavier, mais faut pas se mentir que la manette c'est mieux. Mais du coup j'espère qu'il y aura pas de problème de manette cette fois-ci. Elle est branchée en filaire, donc potentiellement moins de problèmes que la dernière fois. Et du coup let's go. Me dites hein, si le son est toujours trop fort, dites-le moi. Mais c'est important. C'est important de le dire. Aventure, partie avec graines. Il y a un problème de traduction ou c'est volontaire? Parce que, bon, d'habitude, normalement, c'est avec des seeds. Mais du coup, seed en français, ça donne graine. En soi, une graine, tu plantes une graine et ça fait une partie. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise traduction au final. On va jouer en aventure, si ça vous dérange pas. Choisissez un aventurier. Je vais choisir Teyura de Koh-Lanta. Alors nous avons Anna, qu'on a déjà vu bien sûr. Margaret. D'accord, une pirate. Qu'est-ce qu'elle fout là? Colin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Rofi. C'est non. On va rester là. On va en rester avec Anna, c'est très bien. C'est très très bien, Anna. Histoire qu'on voit notre ami, notre nouvel ami. Parce qu'avant c'était un monsieur. Maintenant c'est une madame. Merci beaucoup Valouche, des bisous Valouche. Même pas un raid quoi, c'est un host, super. Alors comment ça joue déjà? Tac, tac. Oui, on peut toujours prendre les objets comme ça, ok. Oui, allô? Oh! De l'histoire! Le temps passe vite, je n'ai pas écrit dans le journal depuis 15 ans. Il s'est passé tant de choses depuis que je me suis échappé de la caverne d'Olmec avec son trésor. Tina et moi sommes désormais parents. Notre fille s'appelle Anna, c'est une forte tête et une exploratrice née. Toujours dans l'esprit du plaisir. Merci, Rulzi. C'est la fille du mec qu'on jouait dans Spelunky. Toujours dans l'esprit du plaisir. This is the fille of the girl of the Spelunky guy. Ok, donc là, déjà, il y a des histoires de famille, il y a des chips qui se sont passés. Toujours regardez comme il est bon. Plaisir. Ouais, quand même, qu'est-ce qui se passe? Rulzi s'est abonné 4 fois. Tu vas te calmer, Rulzi. Tu t'abonnes une fois, pas 8. S'il te plaît. Merci aux Zeluki, merci à tous. Des bisous. C'est incroyable, il a dit, y a de l'histoire dans Spelunky. Oh, le jeu est gâché. Non, c'est pas vrai. Ok. On peut toujours marcher. Ok.
RB, c'est quoi RB? Alors moi je suis vraiment nul avec les manettes d'Xbox, hein, faut le savoir. Je n'ai jamais eu de Xbox de ma life. C'est bon pour tout le monde? Ok. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a des trucs là en bas là. Bon. Ah, le tuto. Alors est-ce que je fais un tuto comme un journaliste et je sais pas comment sauter? Et on reste bloqué là pendant une heure ou est-ce qu'on joue vraiment? Alors appuyez sur A. Oui, le bouton A. Nice. Ah, il est... Mais rends-moi mon bouquin, toi! Alors. Quand on a eu 5 ans, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Je regardais la pleine lune par la fenêtre, et j'y voyais le visage d'Olmec. J'ai essayé de les ignorer. Après tout, nous avons tous vu Olmec sombrer dans le lac de lave. Nous n'avons pas rêvé. C'est vrai que Olmec, c'était le boss de fin. Enfin, pas le vrai boss de fin, je crois. Oh, peut-être que si, je sais plus. Mais en tout cas, c'était le gros boss principal du jeu, mais... Ok, maintenant il est dans l'espace. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah bah super, il a tout jeté. Reprends. Tiens, allez, chais. Bam. Oh tiens. Oh tiens, très bien. Je prends le caillou. Ok, bon, je le lâche. Ah non, c'est bon, je peux pousser. Tout va bien. Il a encore tout pris. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Alors si jamais vous n'avez jamais vu quelqu'un jouer à Spelunky de votre vie, que vous ne connaissez ni Spelunky 1 ni Spelunky 2, vous allez vite comprendre le bail en moins de 20 minutes de jeu, je pense. Là, comme ça, ça a l'air tout mimi, ça a l'air tout sympa, ça a l'air bien jouable. Attendez 2 minutes. Mais la curiosité fut la plus forte. Avec l'aide de Colin, Tina et moi avons construit un vaisseau spatial capable de nous emmener sur la Lune. Anna veut nous accompagner, mais c'est un peu trop dangereux pour elle. Et je pense qu'elle devrait rester et terminer son année d'études. En plus, nous devrions être de retour en un rien de temps. Nous nous faisons sûrement des idées. Alors pourquoi c'est Anna, là? Et Colin, Colin. Colin, on a l'info. Colin est là. C'est gentil. Merci, Chuck. Merci, Chuck. Bonjour. Appuyez sur... Oui, non, mais ça gâche le jeu, là. Bon, c'est le... Oui, d'accord. Hop. Merci beaucoup, Mario Most. C'est quand tu meurs. Eh oh, calme-toi. Il faut donc poser une bombe. Très bien. J'ai failli mourir. J'ai failli jouer au con et regretter. Allez, hop. Les adieux furent difficiles. Une partie de moi aimerait que Anna soit avec nous. Elle adore l'espace. Et nous lui avons toujours montré chaque nouveau dispositif du vaisseau. Au moins... Elle a Monty pour lui tenir compagnie. Monty, c'est le Yench. Je savais même pas qu'il y avait un prénom, ce chien. Très bien. Y. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les cordes, j'ai oublié ça. Ok. B pour les bombes, Y pour les cordes. Très bien. Ok, let's go. Mais tu casses les couilles, Monty, là. Oh là là. Quel chien, ce chien. Ils font mal, eux? Non, c'est juste du décor, quoi. C'est rigolo. Alors... Merci. On peut se noyer ou pas? Je sais pas. On se souvient plus, hein. On se souvient plus des physiques. Les mines sur la Lune, ça ressemble de ouf à la Terre quand même. Ouais, un peu, ouais. C'est incroyable! Il y a un Olmec géant sur la surface de la Lune! Et une caverne! Nous étions près d'une impression déjà vue et nous sentions attirés par l'entrée comme par un aimant. Une voix nous appelait. Est-ce celle d'Olmec ou quelque chose d'autre? Bah, tu devrais reconnaître Olmec au bout d'un moment quand même, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, est-ce qu'on peut mourir de noyade? Visiblement, non. Oh non, un ennemi! Allez, hop. Est-ce que je peux aller là? Non. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut! Incroyable. Ouais, non, mais là, je suis trop confirmé, là. Attendez. Je vais quand même faire le jeu normalement. Non, ouais, j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de ça, moi. Je suis un pro-gamer, moi. Non, tu m'as pris pour qui? Eh bien, d'accord, ça m'a ramené là. Oui, c'est ça. Je suis un pro-gamer, moi, j'ai pas besoin de ça. Ça, on me prend pour un enfant, là. Un enfant avec des problèmes d'adulte. Très bien. Il y a de l'oxygène dans l'eau de la Lune. Mais après, voilà, il y a peut-être de l'oxygène sur la Lune, on sait pas. Tiens, c'était cool, il y a un chat. Attends. Ah, mais c'est le début, là. D'accord. Nous avons l'impression que cela fait des mois que nous sommes sous la surface de la Lune. Comme la dernière fois, le temps et la mort obéissent à des lois différentes ici. C'est comme si nous étions tombés à travers une autre fissure de l'univers. C'est comme la caverne d'Olmec.
Il semble qu'elle y soit liée. Mais elle est aussi plus grande. Bien plus grande. Bah, il y a exactement les mêmes monstres aussi dedans. C'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes mécaniques, tout est pareil. Pas fait chier, le mec, hein, quand même. Ah, ou vraiment, le mec, pas fait l'effort. Hein. Ah! Bah, merci, le chien. C'est bien. Est-ce qu'on peut pet the dog? Ça compte ou pas? Un petit doute. Un petit doute sur le fait que ça compte comme pet le dog. Ah, on peut le prendre avec nous. Pas mal. C'est parti. Je dois faire quoi, là? Je dois ramener le chien? Ramener le chien à la maison? Oui, j'ai obtenu le journal. Ah, c'est parce qu'il faut que je lise, en fait. Très bien. Vous savez, je suis un youtubeur, je sais pas lire. Alors. Anna, si tu lis ceci, tu devines sans doute que nous sommes quelque part, dans les profondeurs, en quête d'une sortie. Je suis désolé. Nous aurions dû t'emmener avec nous. Mais tâche de ne pas t'en faire. À vrai dire, nous nous amusons. Prends ton temps et ne te presse pas. Souviens-toi que prudence est mère de sûreté. Souviens-toi de ce que nous avons appris, et tout ira bien. Ce journal est désormais le tien. Sers-toi du mieux possible et nous nous reverrons bientôt. Comment est-ce qu'elle a obtenu ce journal? Ils sont ressortis de la grotte. Ils ont donné le journal au chien qui était avec elle. Comment? Parce que c'est pas un mail, c'est pas un texto, c'est un journal. Ça veut dire qu'ils ont fait techniquement un aller-retour sur la Terre et la Lune pour aller lui déposer ça dans sa boîte aux lettres et lui dire « Tiens, tout va bien ». Mais on ne dit pas bonjour, hein, juste on dépose le livre dans la boîte aux lettres et on reva directement sur la Lune et on ne te reverra plus jamais. On fait semblant de t'aimer, Anna, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Alors par contre, j'appuie sur le bouton là. Merci. Et il y avait une clé. Parfait. C'est parti. Succès déverrouillé. Oh, je suis trop fort. Je déverrouille un succès, les gars. Oui, alors peut-être me barrer. Hein. Je sais pas si j'ai bien fait. Hein. Non, reviens là, toi. Hop, 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 hop. Mais non, mais saloperie. J'ai essayé de l'avoir. Ah, les murs se déplacent à nouveau. Ça y est. Attention, comptez bien le nombre de secondes avant que je crève. Alors, ah bah ça va, pas besoin, pas besoin. Le jeu le fait pour vous. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un bloc. Ok. Oh là là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Spelunky, c'est un roguelike, bien sûr, hein, forcément. Tout est généré aléatoirement, à chaque partie est différente. Et comment on dit ce genre de jeu déjà? C'est quoi? C'est action, aventure, exploration 2D? Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Pourquoi quelque chose me dit que j'ai vraiment pas envie d'aller le prendre? Après, il faut apprendre dans la vie. Mais c'est-à-dire que ça a une tête pas très sympa, quoi. Après, si c'était pas sympa, pourquoi ce serait caché, cela dit? Hop. C'est méchant, ça? Non, ta gueule! C'est bon. Alors, oui. Bonjour. D'accord. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui branle? D'accord, ok, bah super. Très bonne ambiance directement sur le plateau. Yes! Ah! Je suis mort, déjà? Je suis mort. Bienvenue sur Spelunky. Ça, c'est un beau cadeau de bienvenue. Oui, bah c'est bon. C'est bon, hein. On a compris. Sacré cadeau de bienvenue. Quelle vie de con. Voilà. Voilà, merci YouTube, à bientôt. Salut, mon... Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Allez, toi, tu vas bien te calmer. Bon, bah, ne plus jamais ouvrir les vases, hein. Ok. Ah là là, alors, les contrôles, il va falloir que je m'y fasse, hein. Ça va pas être immédiat, je vous le préviens. Alors, si je tombe sur ces pics, je meurs, hein, sachez-le. Ça risque d'arriver, hein, une fois ou deux. Millions. Allez, hop, dégage. Ok. Alors, les araignées, ça fonctionne comment déjà? Genre, c'est seulement si je... Hop! C'est comme Mario. C'est bon, c'est pas le fantôme, ça, hein. C'est bon. Toujours dans l'esprit du plaisir. J'ai peur. Mais non! Merci beaucoup, Blueberry. Des bisous. Ah, d'accord. Très agréable. Tu vois, il y a des pièges en haut, là. Ça me semble dangereux, là. Il attaque pas, il s'en fout.
Alors oui, on essaie de prendre du pognon parce que le pognon nous sera utile plus tard. J'ai 4 bombes. Bah ça se prend ça. Je vais mourir. Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Hop, chais. Ah. Est-ce que je me prends le truc là si je vais là? Ah, il y en a deux. Très bien. Bon, on va pas aller là. Parce que ça, c'est des pièges à pique. Hein. Ça va être sympathique tout ça. Putain, je vais rater tellement de choses ici, moi. Oui, bah, TG, le chien. Excuse-moi, frérot, mais là, je peux pas faire grand-chose. Ah, mais y a du butin là-bas quand même. Attends, on va aller voir. Ça m'intéresse, moi. Mais... Ah, super. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais est-ce que je peux aller ne serait-ce qu'en bas? Mais ça sert à rien d'aller en bas. Je suis en malade. Ça va suffire, ça? Ah. Oh. Nice. Je meurs pas, là. Hein. C'est gagné. Le chien. Alors, dans mes souvenirs, quand on le rapporte à la fin, on gagne un point de vie. Hein. Donc, ça va pas faire de mal, cette histoire. Ah oui, j'ai que un seul point de vie, là. Je suis déjà quasi mort. Très bien. Hop là! Ah mais t'es pas mort! Faut cramer, monsieur! Ah ouais, non, c'est bon! QUOI?! Salut, mon pote! Quel plaisir. Quel plaisir. Mais! Non, mais les comités d'accueil de ce jeu sont infernaux, hein! Qu'est-ce que c'est que ce... Comment je sauve mon chien? Alors, peut-être. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. le plan n'a pas fonctionné. Le plan... Ah! Qu'est-ce que... Non, bah non, c'est bien comme ça. C'est bien quand vous existez pas. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? NON! Cassez-vous! 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 Mais ils ont combien de points de vie, ces trucs-là? C'est infernal! Ils ne meurent jamais. Tiens, sur toi! Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc, encore? Ah, des ratons laveurs, il n'y en avait pas sur Terre, mais il y en a sur la Lune, hein. Super. Tiens, allez, tiens, un chèque. Quoi? Faut mourir, monsieur. Ok. Ça commence bien, en tout cas, Spelunky 2. Ça fait plaisir. C'est bon, t'es mort, toi? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai l'impression que ça va se refermer sur moi? Sparse Ray. Quel miracle. Quel miracle. Il a tout tanké pour moi, le raton. Il avait rien demandé. On doit pas être loin de la fin, là. C'est pas risqué de prendre ça, n'est-ce pas? C'est pas risqué du tout. Vite. Vite, par contre, oui. Merci. Ça y est. On a réussi. Voilà, c'est la fin du jeu. Bon, malheureusement, ce n'est que le premier étage du premier monde. Hein. C'est pas encore gagné. Avec... Avec l'expérience, avec le temps, on ira beaucoup plus vite, bien sûr. Et surtout, on prendra moins de dégâts au départ. Mais bon, c'est l'exploration, c'est la découverte. Hein. Ça fait mal, Spelunky. Hein. Pas oublier ça. Super, merci. Elles sont toutes mignonnes, les chauves-souris. Non, mais par contre, je sais vraiment pas attaquer. Hein. Merci. Ouais, le chien compte dans les kills, ouais. Ça fait plaisir. Plaisir de se rappeler qu'on a tué son chien. Mais non! Ce jeu rend ouf. C'est pour ça qu'il est bien. C'est pour ça qu'il est bien et qu'il est dégueulasse à la fois. Il est nul, mais il est bien. C'est parce qu'il est nul qu'il est bien. Je le déteste quand même. Alors j'ai vu le piège.
ça m'a pas empêché de me le prendre, mais au moins, j'ai le mérite de l'avoir vu. Non mais là, c'est dégueulasse, non. Excusez-moi, permettez-moi de me suicider, hein. Voilà. Je ne mérite pas, je ne mérite juste pas d'être... J'ai fait un mètre, j'ai perdu 3 points de vie. Au bout d'un moment... Il faut agir. Il faut agir, boire ou conduire, mais il faut agir. Mais non, mais... Bah super, maintenant je fais comment pour passer là? Bah super. Putain, mais déjà le fantôme ici, quoi. Quelle connerie, hein. Mais non! Putain, un plomb. Je crois qu'on peut passer comme ça, oui. C'est bien ce que je me disais, on peut passer sur les pics comme ça. Pète un plomb. Il dort. Il dort plus, il dort plus! Bam! Allez, chais. Quoi? Mais quoi encore? Mais qu'est-ce qui se passe dans ces contrôles? J'essaie de le lancer, ça le lance pas. Oh, pété un plomb. Vraiment, hein. Quel jeu de con. À quoi ça sert que j'essaie de prendre de l'argent alors je sais très bien que je vais mourir. Oh non, pas vous, hein. Quelle vie de con. Très bien. Oh oui, vas-y, sucez-toi. Allez, chais. Merci, Nécro, des bisous. Des gros bisous, Nécro. Tu voulais de l'argent, ça tombe bien. Bah écoutez, si t'en as encore... N'hésite pas à offrir 500 subs sur le chat. Ça m'apprendra, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. J'aurais pété un plomb, en fait. Bah ouf! Bah oui, bah nique ta race, hein. Hop là. Non mais là, il y a conflit d'intérêt. Ouais, c'est bon. Là, c'est la partie parfaite. Retenez bien ce que je viens de dire. Car ce n'est absolument pas ce qui va se passer. Alors, je te laisse la seconde. Voilà. Viens là, petit chien. Viens le chien. Non, on s'en va, on s'en va. On s'en va. Je prends ça quand même. Je voulais juste prendre l'argent. Voilà. Comme quoi, l'argent fait vraiment pas le bonheur dans Spelunky. Hein. L'argent fait la mort dans Spelunky. Vite. Pff, miracle. Miracle. Quoi? Alors, c'est pour ton bien. Voilà. C'est pour ton bien que je te lance sur les serpents. C'était pour ton bien aussi, ça. Pas pour le mien, du coup. Quoi, mais non, mais cassez-vous. Mais cassez-vous-y. Foutez-moi la paix. Est-ce que je vais réussir à aller à l'étage numéro 2? Rien de moins sûr. Découvrez-en après notre aventure. Enfin. Et voilà, il nous donne un point de vie. Oh, ouais, non, si tu pouvais faire autre chose que ça pour me donner un point de vie, ce serait pas mal, mais ok. Le chien. Oui, oui, bling, bing, 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 c'est bon? Ok, merci. Ok, j'ai le point de vie. Dans combien de temps je le perds? Dans pas longtemps, à mon avis. Très bonne idée, ça! Vous savez quoi, je suis un warrior. Je suis un connard, surtout. Non, je... non, en fait, non. En fait, je suis juste un connard. Je suis pas un warrior. J'ai décidé que j'étais juste un connard. C'est déjà pas mal, hein. Pas un truc à lancer, ici, là? Attendez, est-ce que je peux... Ah, j'ai une idée. Enfin, j'ai une idée, non. J'ai une question. Oui, je peux le prendre. Si je le prends. Si je le prends, tout se passe bien. Bien, ça. Bien joué de la part du joueur français. Enfin, bien joué, jusqu'à preuve du contraire. Mais... c'est... voilà, c'est pas une catastrophe au moment. On est méthodique. On est méthodique. Et dans méthodique, il y a méthode. Sidique, mais ça c'est autre chose. Ça fait plaisir. Le chien. Alors vous pariez, vous pariez combien que le chien va se suicider dans un instant? Ah non, il pourra pas. Mais est-ce qu'il peut mourir de ça? Ah non, les animaux le laissent tranquille. Ce sont ses amis les animaux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Absolument rien. Ouais. Viens à toi, viens, frérot. Ah mais attends, la sortie elle est là. On va se faire plaisir. On ramène le chien à la sortie. Ramener la coupe à la maison. C'est pas la sortie, très bien. Est-ce que je regrette la vie? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Chien, chien.
Ok. On commence à savoir ce qu'on fait à peu près. J'insiste sur le à peu près. J'ai envie de mourir. Bon, je vais aller dans la grotte, hein. Je sais pas ce que c'est, mais j'y vais. Ça va rester là, ça. Il y a la clé, là. C'est ton jamais, quoi. Faut pas que je tue le chien. Voilà. Me fait peut-être un peu trop chier, là. Je suis d'accord avec vous. On va prendre le chien, qui. Ah, c'est pour ça. Qu'est-ce que... Ah, mais non, c'est pour ça qu'on a besoin de la clé. Ok. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens plus ce que c'est. Oui. Objet. Non découvert. Oui, bah, montre-moi ce que j'ai découvert, c'est déjà pas mal. Très bien, super, super agréable. Ah. Œil ou jat. Cet objet est un symbole de grande puissance, il représente le regard vigilant des dieux. Et bah, ça nous aide énormément, ça. Ça vous aide énormément de savoir ça. Trop bien. What are you brawling? Ah. Ça fait plaisir. On explore. J'en ai marre. Péter un plomb, en fait. Je vais péter un câble. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué à Spelunky, là. C'est vraiment la découverte, comme si j'avais jamais joué. Taras. Toi aussi, Taras. Toutes vos races, réunies, ici présents, ce lieu. Attends, toi, tiens, je vais t'écraser. Non, reviens. Ouais, la flemme. Non, quoi qu'en fait, pas la flemme. J'ai vraiment envie d'avoir cette satisfaction de l'avoir écrasé. Dépêche-toi. Allez, tiens, nique ta mère. Pardon. Peut-être un peu violent, effectivement. Mais c'est pas un chien, donc ça va. En parlant de chien. Tiens, frérot. Oh non, le pauvre. Vous inquiétez pas, il est pas mort. Pas encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Alors moi, je voulais juste descendre, en fait. Mais regardez, il y a une dinde. Ah! Il n'y a plus de dinde, là, actuellement. Non, mais au bout d'un moment, ça devient insultant, là. Moi, j'essaie de... Voilà, j'essaie de faire des trucs, et... Qu'est-ce que... Ah, c'est pas assez puissant. Je comprends plus rien, ma vie. Ah! Je suis un warrior. Peut-être un warrior, mais pas loin d'être mort, hein. Oh, puis merde, hein. Vu où j'en suis, autant crever. Autant tenter le tout pour le tout, pour le tout, pour le tout, pour le tout. Bah, le tout pour le tout, il est juste là, en fait. Ouais, on s'en va. Quelle vie, j'en ai marre. C'est un simulateur de maltraitance, ce jeu? Un peu, hein, on dirait, comme ça. C'est un petit tue tous les animaux avec lesquels il entre en contact. Mais c'est pas moi! C'est pas moi, c'est Anna. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Oh, la flemme. Bah tiens, bah chais. Allez, hop, on va essayer ça. Super. C'est cher, il y a intérêt que ce soit bien. À quel moment je m'énerve? Bah maintenant, je crois. Oui, bah, ça c'est du harcèlement, monsieur. C'est du harcèlement, je veux plus voir ça. J'en ai marre! Quel jeu de con! Hein. Ah, c'est ça, Spelunky 2, hein, si vous voulez voir Spelunky 1 aussi. Hein. Je passe un bon moment, je m'amuse bien. En plaisir de découvrir un nouveau jeu, en tout cas. Ça n'a pas changé, hein, c'est vraiment Spelunky. Hein. Là-dessus, on est sûr. Hein. Ok, je peux lui rebondir dessus déjà. Je vais mourir. C'est officiel. C'est une information officielle. Ta gueule. Ah! Hop là! Excuse-moi!
Elle a été arrêtée par la toile d'araignée. Incroyable. Attendez, parce que là, je peux mentir avec 3 points de vie. Imaginez le délire. Imaginez le délire. 3 points de vie, ce serait insane. 3 points de vie, c'est du jamais vu, en fait. Je vais m'améliorer, vous inquiétez pas. Là, je le fais, c'est pour la VOD. C'est pour la VOD. Ah, 4... Non, 3. C'est déjà pas mal. Ah, c'est terrible, hein. Ça me rappelle tellement de souvenirs du premier. Ah bah pour le moment c'est quasi identique au premier. Il y a juste quelques... Bon, graphiquement bien sûr, il y a eu quelques changements aussi, hein. Qu'est-ce qui branle là, lui? Bon, on va pas le savoir. Je lui ai rien fait pourtant. C'est le marchand. Bon, on l'a encore même pas vu une seule fois de la game, mais... Mais le mec il est vénéré, il a un pistolet, hein. Très bien. Alors le gars lui aussi il est venu sur la lune, hein. Ça, personne n'en parle, hein. Tout le monde allait sur la lune, sauf Anna. Ah. Ah, je l'ai presque pas vu en haut. Ah. Pas exactement ce qui était prévu dans le plan, mais ça passe. Oh là là, quel pro-gamer, regardez, on dirait presque que j'ai joué. J'insiste encore une fois sur le presque. Oh. Ça, c'est du pognon, ça. Pas encore. Oh, mais oui, on t'a vu, le chien. Hop là. Te trouve un dindon sur la lune, alors un simple marchand. Oui, c'est vrai qu'on se pose un peu trop de questions. Ça, ça va aller. Hop. Ok. Hop. Le marchand, enfin. Alors, qu'est-ce qui nous... Ah, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, en fait. Chaussures cloutées. Ça a l'air sympa, mais je sais pas ce que c'est. Et on n'a pas le droit de te parler? Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait, les chaussures cloutées? Les semelles de cette solide paire de bottes sont garnies de clous. Ah, nous, ça n'aide vraiment pas, ce truc. C'est super sympa. Poncho. Ah, il s'appelle Pancho. Ouais. Bah merci Pancho, merci à toi. Passe une très bonne journée. Très bien, bon, je suppose que je peux marcher sur les pics. On va tester, et on va le regretter, mais on va tester. Non. Voilà toi. Non, je veux la clé, merci. Ne casse pas le pot, je t'en supplie. Mais faut que je me rouille le cul, moi. Faut que je me rouille le... Encore l'œil. Très bien, bon bah c'est pas grave. On peut pas tout comprendre dans la vie. Ici, il y a beaucoup de loot, hein. Voilà. Ce serait con quand même de dire non à ça. Et si on testait de marcher sur les clous? Ça me semble être une bonne idée, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Quand un fils d'up, quand un fils d'up, c'est le roi des fils de pute. C'est quoi? Du coup, ça fait quoi, cette merde, encore? Je sais pas, moi, tu me dis, il y a un truc clouté, je me dis, je peux marcher sur ce que je veux. Eh ben non. Ah mais on apprend des choses, hein. Moi, je vous ai dit, je n'ai rien spoilé sur ce jeu. Je ne sais rien du jeu, et ça, je pense que... Là-dessus, vous pouvez pas dire que je le fake, hein. Là-dessus, je pense que ça se voit pas mal. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Bah, reste-y, hein. Et là, vous pensez que je peux aller sur les pics, là? Oh là 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 là. Bloqué au premier monde. Non, on n'est pas bloqué au premier monde. Je vais au deuxième quand je veux là, c'est parce que j'essaye le truc bien sûr. Là, si vous voulez, là je vais au deuxième, y'a pas de soucis. Hein. Mais bon, il faut bien qu'on découvre du contenu après. Attention, attention. Ok. Ah, oh, c'est non. Y'a du monde là? Y'a du monde au balcon? Ça y est. Qu'est-ce qu'il... Est-ce qu'il est en train de manger la pierre? Non, je crois qu'il est... Pas une très bonne idée. Pas une très bonne idée. C'est sa première partie? Alors, oui. C'est ma 20e partie de la soirée, mais c'est la première fois que j'y joue ce soir. Enfin, 20e, non, on exagère, mais... Une partie de Wiki, c'est... Dans l'esprit du plaisir. Ah. Ok, tout va bien. Je suis en vie. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais je le suis.
arrêtez. Non! Mais pourquoi tu viens de ce côté-là? Je voulais lancer une corde. Après, ça va, hein, je suis là. On est là. On est là. On est tombé sous les 400 subs, c'est intolérable. C'est vrai. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à sub, ça fait toujours plaisir. Ça fait une alerte qui me fait peur parce que le son est trop fort. Si ça peut vous motiver, écoutez, tout est bon à prendre. Alors, comment on fait déjà pour marcher? C'est comme ça. Parfois, faut savoir être prudent. Je vais pas aller chercher. Je vais pas aller le chercher. Me demandez pas pourquoi. Quoi que je peux, en fait. Je peux. Oh. Le pognon. Alors, l'argent est assez important parce que on peut, en vrai, on peut acheter des trucs quand même vraiment sympas dans le jeu. On se serait bien en profiter. Oh, un dindon! Enfin, un dindon. Je vais déposer cette flèche. Je ne veux pas faire de mal à ce dindon. Est-ce que c'est bien compris? Oui? Allô? Ah! Ah! Oh, trop bien! Je peux planer telle Princesse Peach! Putain, on a même un double saut! Mais c'est du luxe, là! Est-ce que je peux sauter du dindon? Il donne des coups de boule, le gars, c'est Zidane! Putain, c'est Zidane! Trop bien. Par contre, j'ai l'impression que je peux pas sauter du dindon. Ah, si, là, je peux. What the fuck? Ah, il faut peut-être que je... Attendez. Ah! Ok, d'accord. Il faut que je regarde en haut et que je saute. Les deux. Non, mais par contre, calme-toi. Merci. Ok, trop nice. Du coup, j'ai perdu 800 ans. Oh non, le truc d'hôtel pour tuer les gens. Oh, flemme, hein. Je passe un mauvais moment. Bonjour. Ah, acheter cap. Acheter gants d'escalade. Chaussures à ressort. Est-ce que vous pensez que je peux aller sur les pics avec ça? Binocle. 3000 boules, c'est que ça doit vraiment être éclaté. Ah non. Plutôt sympa, ouais. Dans l'esprit du plaisir. Acheter une cape, ouais. Ça sert à quoi? J'en ai aucune idée, mais... On est là. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est d'être là. Putain, il y a une deuxième dinde. Incroyable, est-ce qu'ils peuvent faire l'amour? Eh bien non. Posez pas de questions, posez pas de questions. Ah. Chet. Dommage. Dommage pour toi, la dinde. La cape a l'air de le faire planer. Bah, je pouvais déjà planer avec le dindon, donc... À plus petite portée, le dindon, par contre, au niveau du coup de boule. Le chien, il est où? Y a pas de chien, là? On peut peut-être ramener un dindon. Qu'est-ce que... Je cherche des dindes, vous voulez m'aider? Bah, écoute, frérot, j'en ai une, là. Ah! Frérot, je reviens. Pas maintenant, dans une autre vie, peut-être. Faut pas me faire ça à moi. Ouf. On est bien là. Hein. Ah, je peux planer, effectivement. Si j'appuie une deuxième fois sur le saut, je peux planer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais non, mais c'est de la triche. Je suis dans la merde. Bah ouais, bah. Super. J'arrive. Le problème, c'est que les touches sont encore toutes fraîches pour moi, donc forcément, je m'emmène les pinceaux assez vite, hein. Qu'est-ce que... Oh. Bien que dans Spelunky 1, je pouvais faire des dingueries au début. Enfin, au début, non, mais... fut un temps, j'étais capable de dingueries sur Spelunky 1. Ah, il y en a... Il y a un autre truc, là-bas? J'ai envie de voir. Mais non!
plus, ça n'a même pas cassé le mur. C'est beau d'apprendre, hein. On ne meurt pas, on apprend. Je suis là. Non. Ah oui, non, mais c'est bon, toi, bien. Pas l'habitude de débuter à... là. Ok, let's go. Hop, 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 hop. Bon, on va essayer de jouer que sérieusement, ça va mal se passer. Parce que là, c'est pour YouTube. Hop là! Merci, c'est Link! Est-ce que cette partie est truquée? Tout est truqué. Depuis tout à l'heure, je fais exprès de mourir, bien sûr. C'est pour faire rire les gens sur YouTube. Et non pas parce que je suis mort. Mais putain, j'en ai marre de ça! J'en ai vraiment marre! Je vais pas aller m'enterrer là-dedans, moi. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'aller là? J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai peur, j'ai peur, en fait, j'ai peur. Non, j'annule tout, j'ai peur, en fait. J'ai vraiment peur. Ah, j'ai... C'est bon, j'avais pas peur du tout. C'était une feinte, bien sûr. Des dingueries quoi, des dingueries? Qu'est-ce que c'est? Attends, j'étais capable de dingueries sur Spelunky, hein. Ah oui, bah oui. Il y a un autre truc là-bas? Effectivement, on fait des dingueries ODD. ODD. Attendez, je vais aller le partager sur Twitter. N'hésitez pas à aller le retweeter, ça fera une pub pour le live en plus. Les gens ils viendront sur le live après, c'est trop bien. Et YouTube, n'hésite pas à venir nous rejoindre en live, tu vois bien que mon nombre de subs a baissé. Viens, viens s'il te plaît, viens m'aider. Viens m'aider à devenir un streamer next level, j'en ai besoin. Et regardez, on est au monde 2. C'est du jamais vu. C'est pas vrai. J'ai vu le piège, hein, j'ai vu. Vous ne m'aurez pas. Pas cette fois en tout cas. J'en ai marre. J'en ai juste marre qu'il y ait des ennemis dans les vases en fait. Faut que ça s'arrête. Comment ont-ils survécu? Oh tiens! Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Sacrifier le chien. Merci! Ah! Oh là les! Oh les là les lolo! Bah super! Quoi, j'ai déjà perdu 2 points de vie, mais comment? Je rappelle que ce chien n'est pas réel. Je rappelle que ce chien est un amas de pixels. Je ne tuerai pas un chien dans la vraie vie. Sauf si ça me rapporte un point de vie. C'est pas vrai, je rigole. Qu'est-ce que c'est que ça? Acheter passe-partout de Fort Boyard. C'est quoi, c'est j'aurai plus jamais besoin de clé? Trop bien. Je suis sûr que c'est pas ça. Mais dans le doute. rayon givrant. Jamais. Tu veux une clé, frérot? Je te la vends. Il s'en bat les couilles. Très bien. Il s'en bat les couilles. Non! Taras. Bah je... On va quand même aller voir là-bas, non? Peut-être un... Un petit secret. Go la pète au câble! Go la pète au câble. Allez, on fait une petite partie sérieuse là, les gars. Petite partie sérieuse là. La prochaine. La prochaine est 100% sérieuse, je vous jure. En fait, je vais arrêter d'essayer de gagner du pognon, des objets et tout, je vais juste essayer d'avancer. Ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? T'as tué mon chien? Salaud, comment as-tu osé? Je m'en fous, je le prends avec moi quand même. Ah non, j'ai pas le droit. J'ai tué mon chien. C'est pas moi, hein. C'est lui. Tiens. Oh non, mais là, frérot... Tu dégoûtes là. Ben, je vois pas comment je peux t'extirper de là. Peut-être comme ça. C'est mort. Il est mort. Il est mort 100%. Il est vivant. 100% il est vivant. Adèle, je trouve ça plus simple que Spelunky. Non mais, il y a rien de plus dur que Spelunky en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Spelunky, c'est le jeu de la... C'est le jeu de la souffrance en fait.
On veut vous faire souffrir. Du coup, là, si j'attaque, je lance le chien ou... Ah! Oh, ça, c'est bien joué, ça. J'ai réussi à sauver le chien et le dindon. Pour combien de temps, je ne sais pas. On est pour pas longtemps. Hein. Ça, c'est bien joué. C'est moi, il fait plus mal que moi. Oh, le dindon de la farce. Bim, allez hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour. Un cadeau. Bah, j'ai pas d'argent. Canon à toi, là. Ça a l'air éclaté, hein. Après, faut bien l'acheter. Bien, faut aider le commerce local. Ça marche comment, du coup? L'intérêt. L'intérêt, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bon, c'est pas... Yes! Il y a le jeunesse qui a inspiré Spelunky, qui est plus dur que Spelunky. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Le jeu original qui a inspiré ce truc était un enfer. Je me souviens, j'avais vu une vidéo dessus, je me suis dit, mais qui joue à ça, en fait? Qui... Le jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser ou pour mourir? Au revoir, la dinde. On te remercie, hein, d'avoir été là. J'adore rire. Moi aussi. Merci, Rice, merci beaucoup. Comment je fais pour lâcher cette merde? Mais c'est de la merde! Je veux que ça s'arrête. On ne t'oubliera jamais. On t'oubliera jamais, la dinde. Je te garderai avec moi jusqu'à la fin. Je te garderai avec moi. Ça sent pas du tout le cul, ça. Ah, tiens, je te garde avec moi. Hop là! Aucun risque. Je n'ai pris aucun risque. J'ai envie de péter un plomb. Pourquoi il y a des plumes là? Oh, on apprend des trucs! On apprend des dingueries, les gars. J'arrive. Oh, le con, il se tue tout seul! Oh, le débile! Oh, le nulos! Le nulos! Ah, j'ai plus de bombes, par contre. Attendez, j'ai un gigasso? Comment j'ai fait? J'ai acheté des chaussures à ressort sans faire exprès? Ah, mais je suis mort, en fait. Ah non, c'est bon. Trop sympa. Bon, je vais mourir, aussi, hein. Pas mort. Un miracle. Je dab sur sa tombe. Oui, du coup, j'ai cambriolé le marchand sans faire exprès. Mais c'est pas grave. Elles étaient derrière le mur. Ah, mais oui, c'est ça. Bah oui, c'était le prix, je suis con. Bon, du coup, maintenant, si je croise le marchand, il va me buter, hein. Donc très honnêtement, je ne passe pas ce niveau. À aucun moment, je passe ce niveau. Tiens, chat. On entend des bruits de tambour. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on entend des bruits de tambour? Bon, déjà, on est dans une salle un peu plus spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça alors. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ici? Peut-être ça. C'est qui lui? Il veut quoi? T'es gentil toi, hein? Tu peux pas être méchant. Personne n'est méchant en jeu, regardez. Regardez comme il est gentil. Il m'a ouvert le chemin, c'est sympa. Oh, excusez-moi, je passe un bon moment là. Quel plaisir! Mais c'est pas la fin, ça.
Ouais, c'est pas la fin, sinon il y aura le marchand. Je vais mourir aussi. Qu'est-ce que c'est que ces badakas? Trop bien. Le marchand m'attend, hein, sachez-le. Alors, non seulement il m'attend, mais en plus il tire déjà, le gars. Le gars, il est tellement vénère, il tire déjà. Hop, on te pousse. On te pousse et on t'écrase. Ah non, t'as de la chance. Regardez. J'ai la strat. Je vais l'écraser au dernier moment. Allez, mon pote! Allez! Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là. Ah, par contre, mon chien est mort. Mais... Mama Tunnel, qui est-elle? Je sais pas, je sais pas pourquoi je m'excite. C'est Mama Tunnel, les amis! C'est Mama Tunnel! What the fuck, les amis? Mama Tunnel! Salut, je suis Mama Tunnel, on m'appelle aussi Terra. Je travaille sur un nouveau raccourci, mais je manque de fourniture. Vous voulez bien me donner 2000$? 2000$, mais c'est incroyablement cher! Non, ça va. J'ai hâte de terminer ce raccourci. Trop bien. Ah mais oui, c'est pour débloquer, oui, on pourra commencer dans le monde 2 plus tard. Et ben voilà! Vous voyez qu'on a réussi, finalement, dans cette histoire, à aller au monde 2. Très... Bon, alors maintenant, combien de temps on va y rester? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre aventure. Regardez ça. Hop là! Jamais tu mourras, toi. Bon, c'est bien joli, en tout cas, ici, mais on voit rien. Après, bon... Voilà, mon ressenti sur ce qui vient de se passer. Ah, des pics sur les murs. On en est à ce niveau de dégueulasserie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mes chances de survie sont maigres. Mes chances de survie sont très maigres, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est là? Maintenant je le sais. Est-ce qu'il attaque quand il me voit, lui? Je ne suis jamais arrivé aussi loin, ça c'est bien vrai. Voilà, enfin le côté positif des choses, messieurs dames. 8 minutes pour en arriver là, c'est du speedrun. Je crois que t'as mangé ta torche, ouais, il me semble que c'est ça. Elle était bloquée genre sur une toile d'araignée, et quand je suis arrivé, bah du coup elle m'est tombée sur la gueule. Un vrai plaisir finalement. Bon, écoutez, on n'a jamais été aussi loin déjà, c'est un plaisir. Déjà, c'est bien. Il est quelle heure là? 21h05, on va continuer, bien sûr. On va continuer. Bon, allez, maintenant, à partir de là, on arrête de faire le con, on speedrun, hein. C'est bon. J'ai fait semblant de mal jouer pour vous faire rire, mais maintenant, ça suffit les conneries, hein. Et là, je termine le boss. Et là, tout le monde est en sueur. Allez, prends ça. Wouh! Voilà. On va jamais trop brûler ici. Oh, c'était pour te sauver à la base. Ça n'a pas très bien marché. Voilà, chien. On est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour un feu de camp, mais qu'est-ce que ça fait un feu de camp? C'est tout? Je suis énervé. Il y a un truc en bas en vrai. Excusez-moi d'avoir des questions. Failli mourir. Ça doit pas être dangereux ici. Je pense pas que ce soit dangereux. Pourquoi est-ce que ce serait dangereux? On est là. Je sais pas où on est, mais on y est. Hein. Ah! Je vais péter un putain de plomb en fait. La bonne nouvelle c'est que mon chien n'est pas mort. La mauvaise nouvelle c'est que ça va bientôt être le cas. Littéralement. On va voir le chien.
Bon bah au revoir le chien. J'aurais fait ce que je pouvais, hein. J'ai fait ce que je pouvais pour le chien. Au bout d'un moment, le jeu m'a pas donné le choix. Si je me mets là, est-ce que je meurs tout seul? Non? Dommage. C'est ce que j'aurais voulu. Très bien, donc on me donne aucune solution pour esquiver ce piège là? Vraiment? J'ai aucun truc que je peux... Et bonjour à tous, c'est ma première partie de Spelunky ce soir. Vas-y, t'arrasse toi. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce petit Let's Play Spelunky. Alors, je découvre le jeu pour la première fois de ma vie. Pour l'instant, le jeu a l'air vraiment sympa. Pour l'instant, le jeu a l'air vraiment merdique. À deux doigts de péter un plomb, en fait. Dis-nous que tu fais exprès, là, mais c'est ce que je te dis depuis le début, bien sûr. Peu énervé. Merci. C'est pour l'entertainment. Vous doutez bien que je joue pas mal aux jeux vidéo. Le seul truc, c'est que vous vous rendez pas compte, hein. Spelunky, c'est vraiment un jeu de fils de chien. Bon, là, par contre, c'est moi qui suis fils de chien, très honnêtement. Mais, pas une très bonne idée, ça, hein. Oh, rien à la foutre. Spelunky, c'est vraiment un jeu de gros bâtard, hein. Et c'est ce qui fait le sel du jeu. Mais vraiment, le Spelunky, c'est le jeu, même quand t'es super fort, hein. Tu meurs dans 90% de tes parties, hein. Et c'est ça qui est drôle, c'est pour ça qu'on l'aime. Pète un plomb. Je sais que je suis obligé de la tuer, hein, mais j'ai envie. J'ai envie de découvrir les bons angles. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en bas? Seulement rien, bien sûr. Hop là! Très honnêtement, je vais vous le dire, je suis énervé. Comment voulez-vous que je sois autre chose qu'énervé après ce qui vient de se passer? Le nombre de fois où je me prends un truc alors que j'essaie de l'attaquer, ça me saoule. C'est vraiment à chaque fois, c'est au poil de cul. Alors toi, tu veux des dindes? Ouais, mais je sais pas comment t'aider en fait. Donc moi, je vais prendre mon chien. Je vais prendre mon chien, au lieu de lui casser la gueule sans le faire exprès. Je vais prendre mon chien et je vais me casser. Je perds espoir. À partir de maintenant, je joue bien. J'avais pas vu ce pic là! C'était pas une bonne seed. Faut commencer avec une bonne seed, sinon on peut pas faire une belle partie. Juste pour hors d'idée, les autres streamers. Ils sont arrivés à peu près où au bout d'une heure? Genre, est-ce qu'ils faisaient des trucs cons comme ça ou est-ce que je suis vraiment le seul abruti sur cette terre? Je sais pas si j'ai une réponse. Eux, c'est vraiment les monstres que je déteste le plus de ce biome. Hein. Casse-toi. Vas-y, nique ta race. Le gars, il peut sortir directement de mon cul aussi. Oh là là, je vais péter un plomb. Oh là là, I'm gonna pet a cable. Arrête. Les mecs, ils sortent d'en haut, d'en bas, de tout. Mais oui, mais voilà, comment tu veux survivre dans un monde de cons comme ça? Voilà, je suis au niveau 2. Ils ont fini le jeu First Try, donc ça. Waouh! Waouh! Merci beaucoup, maître! Merci beaucoup, Mario Most! Attends, parce que là, je vois rien, en fait. Je vois absolument rien. Ça régale. Ah bah, écoute.
Un plaisir. C'est un régal de me voir souffrir en boucle. Je sais que toi, t'aimes bien me voir souffrir. Donc effectivement, c'est pour ça aussi. C'est à ça que ça sert le jeu. C'est avoir des gens vraiment dans le mal, en permanence. Ah merde, du coup, je vois plus le chat. Ah non, attendez. C'est bon. C'est bon. Je vois le chat maintenant. Je crois que MV a pas atteint le monde 2. On va savoir. Si le jet était plus loin qu'MV... Attends, mais vrai. C'est moi là qui me suis pris le coup du serpent. C'est elle là, c'est pas moi. Juste pas un plomb. Jeu de merde. Je m'en bats les couilles. Merde. Ah c'est bon. Oh le jeu pro gamer. Faut pas le dire trop fort ça. Y'en a qui le croiraient pas. Ça semble compliqué. Morte. Oui, bah merci. Je voulais attaquer le lézard, à la place j'attaquais le chien. C'est un vrai plaisir d'être con. C'est un vrai plaisir d'être con. À partir de maintenant, je joue bien. Pire, c'est que des fois, je fais des moves, on a vraiment l'impression que je joue au jeu. Hein. C'est frustrant. Hein. Ça, ça me fout en l'air, ça. D'accord. Bah au moins, il dort bien, là. Ah, tu dors, là ouais. Tu dors toujours, là? Connard. Alors... Bonjour à tous. Je suis confiant. Et dans confiant, il y a con. Je ne l'avais pas vu, merci. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas... À partir de maintenant, je joue bien. Partir maintenant. Voilà. Un petit peu de frustration en moi. Parce qu'il y a vraiment des moments où quand tu sais pas ce que tu t'es pris dans la gueule, tu commences à péter un plomb. Fais péter un plomb. C'est pas ça que je veux faire en fait. C'est pas ça que je veux faire en fait. Voilà, merci beaucoup. En fait le problème c'est que j'ai la théorie hein, mais j'ai pas la pratique. J'ai vraiment pas l'exécution. Mon exécution. Pourquoi tu lâches le chien? Oh lui il s'est fait boxer pendant une heure. J'ai pété un plomb. Arrêtez d'apparaître de nulle part tout le temps, ça me saoule. Laissez-moi juste faire une partie où je me sens bien. Une seule. Passe des bons moments aussi. Je vous dis, mon problème, c'est vraiment l'exécution. Hein. Les appuis sur les touches, des fois, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi.
C'est dommage, quoi. Ce miracle. C'est un miracle. Je me transforme en monstre. Allez. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. J'y crois pas du tout. Ah bah non, mais ça y est. Ils sont apparus, c'est fini. À partir du moment où ces monstres apparaissent, c'est terminé. En fait, c'est un jeu de hasard. Tant qu'ils apparaissent pas, je peux encore gagner. Voilà, encore une fois l'exécution. Encore une fois l'exécution qui pêche. Je commence à péter un plomb. Salut. Je suis où là? What the fuck? À quel moment je reviens de là où je viens? Casser les couilles un peu, non? C'est loin? Mais quoi? Ah, on peut aller en bas. Aveugle. La flèche a déjà été tirée, nickel. Ouais, bon, au bout d'un moment, la clé, tant pis. Hein. Tant pis pour la clé. Au revoir le chien. Il est pas mort. Un miracle. C'est un miracle de petit Jésus. Non, mais le serpent dans le magasin, je suis pas chaud. Je vais prendre ça. Il y aura, c'est quoi? Un tas de cordes? J'en ai plus beaucoup. Les gants d'escalade, ça peut être bien, ça. Voilà, allez, salut. Hein. Ouh, pas bien, là. Bon, attendez. Attendez, est-ce que j'ai plus de vie? Non, j'ai gardé mon vie. Okay. Bon, on est bien. On est bien. Je commence à voir des trucs. Hein. Ah oui, j'ai les gants d'escalade, du coup, je peux faire les wall jump et tout. Je peux être genre comme ça. Ah, c'est très très bien, ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Engagé, Fink! Franck vous souhaite la bienvenue dans son marché aux ouvriers. Chaussures à ressort. Ça, c'est bien, chaussures à ressort. On a vu, on peut sauter plus haut. Y'a l'homme qui veut des dindes, là-bas. Oh, si j'arrive à lui ramener les dindes, cette fois, on va essayer. Ça peut être pas mal d'essayer, après tout. Putain, par contre, c'est craqué, ça. Presque envie d'acheter un pote. Pète un plomb. Au revoir le chien! On t'aimait bien. On t'aimait bien. J'ai plus de bombe. Peut-être pas ma meilleure utilisation de bombe du coup. Ça va être compliqué de te ramener les dents, frérot. Ah, quoi que. Ouais. Ouais. Voilà. Si tu veux bien être mon ami. Merci. Attends. Elle peut pas prendre? Elle peut pas prendre ça? Je vais péter un plomb. Je me suis fait chier pour rien, en fait. Je veux pas m'être fait chier pour rien, donc, mesdames et messieurs. Putain, j'ai pas de bombe. J'ai envie de péter un plomb. Les dindes peuvent pas monter avec moi au corps. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de l'avoir mis en haut et d'avoir mis les dindes en bas, en fait? Juste expliquez-moi. J'ai besoin de passer ma frustration sur quelque chose. Hein. M'en voulez pas. C'est comme ça. Non, je te vole ta dinde. Mais non, je peux pas. Bah, je peux juste pas en fait.
Je vais aller m'acheter mon pote. Mais j'ai même pas l'argent pour aller m'acheter le gars. C'est insane, comme cet endroit ne m'a rien rapporté. Cet endroit ne m'a rien rapporté du tout. J'aurais pu prendre une dinde avec moi, hein, mais bon, la flemme. On le laisse crever, voilà. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ok. On va aller de l'autre côté, c'est pas mal, l'autre côté, j'aime bien. Je peux tout ça parce qu'il y a un piège. Moi, je me souviens pas avoir vu de chien, en tout cas, sur cette map. C'est dommage. Ah! Salut, toi! Salut, toi! Tu recommences? Ah. Oh, je m'attendais pas trop à ça. C'est un espèce de mini-boss, lui, en fait. Putain, il... Oh, il met à l'aise, lui! Il nous a mis bien! Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, on a notre pote! Notre pote Sirena, il est de retour. Ah non, ne meurs pas, ne meurs pas! Coucou, comment se déroule l'aventure? Je suis tombé dans une pièce bourrée de pièges, il faut sans doute mieux que je fasse tout sauter, vous avez une bombe! Ha! Mais non! C'est dommage! C'est dommage, c'est la seule run où j'ai épuisé toutes mes bombes en fait. Eh, on est au monde 2, les gars. On est au monde 2. C'est bon. Il y avait pas ça tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à l'heure, c'était une petite forêt? Ça va mal, ça va... Bon, je suppose que si je saute dans la lave, rien de mal peut arriver. S'il va tomber dans la lave tout seul comme un connard? La réponse dans un instant. Bonjour à tous, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai déjà les chaussures cloutées, donc ça sert à rien de les reprendre. Un tas de cordes, j'en ai trois. Moi, j'aurais bien aimé des bombes, hein. Parce que là, actuellement, tu me demandes de racheter les trucs que j'ai déjà, en fait. C'est dommage. Oh là, j'aime pas du tout cette lave, moi. Oh là. Oh là là. Bon bah salut, hein. Salut frérot. Il aura duré environ une frame. Putain, il y a des bulles de lave, c'est vraiment comme Mario, hein, pour le coup. Pff, à aucun moment, je vais pouvoir conserver ce chien. Je tiens à vous rassurer. Je tiens à être honnête avec vous. Hein. Je serai honnête et transparent sur le sujet. Quoi? Il y a des bulles de lave qui peuvent venir casser. Des bulles de lave qui peuvent venir casser les couilles, quoi. Il y a des robots, mais qu'est-ce que c'est que ce biome? J'adore rire. Ah bah... Ouais, c'est bien ça. Merci Reality Maker! Merci beaucoup! On va pas aller en bas, hein. On essaie de survivre, là. Le but, c'est de passer un bon moment, quoi. C'est la première fois qu'on va si loin. Oh, attendez. Oh non, pas comme ça. Je sais pas ce que c'est que ce truc en bas, mais pas confiance de ouf. Écoute, on va voir si tu survis le chien, d'accord? Si tu survis, bravo. Si tu survis pas, tant pis. Il a survécu, donc bravo à lui. J'ai envie de savoir ce que fait ce truc là. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie d'en mourir. C'est un copain! C'est un copain. Il vient de lécher son copain. Trop bien. Eh, ça se passe bien là, hein? Ça se passe pas trop mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour?
Bienvenue au défi lunaire, réincarné. Comment c'est le défi 10 000 boules. Il faut savoir dans la vie ce qu'on... Il faut connaître. Passez la porte, t'as peur que le défi commence. Je peux y aller avec lui? J'ai pas le droit. Je suis dévasté. Je suis dévasté en fait. Je me sens protégé, ouais. Pas trop, là. Pas te mentir. Pour être très honnête avec toi, je me sens pas super protégé. Ah, c'est bien, ça. Ok. Ah, c'est bon? Pas compris, moi, monsieur. Il fallait épuiser la pioche, j'imagine. Bravo! 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 Bon, bah écoutez, quel plaisir. Tu sais ce que fait le trèfle? Non. Tu peux me le dire, ça me dérange pas. Bah forcément, ils s'en foutent. Ah. Ouh. On a encore eu de la chance. T'as dépensé 10 000 pour gagner 8 000 une affaire. Bon, ça va. C'est pour connaître là, hein. Là on apprend le jeu, hein. Gagner plus de pognon que le trèfle. Bah heureusement que je l'avais alors. En tout cas, sympa ce biome où on peut mourir vraiment à chaque instant. Un peu comme tous les biomes finalement. Jeu très agréable. Je voulais savoir si pour la science on pouvait sauter dessus. La réponse semble être non. C'est pas très safe ici, là. Je vais péter un plomb. On y va. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est un jeu du temps avant que le fantôme arrive. Ah ! Alors vous êtes pas tous d'accord, hein. Je préfère cette version. Quoi? Ah oui, ça fait plaisir. T'inquiète, Kelly, fais-toi plaisir. Je sais pas ce que je t'ai sacrifié, mais je te l'offre. C'est quand tu veux. Je l'ai tué là? Non, je l'ai tué jamais. Ils s'en foutent du feu. Ça a l'air bien safe ici. Ça fait plaisir en tout cas. Mais le chien il est là. Alors figurez-vous que j'ai appuyé sur le bouton de saut pendant que je descendais. Ce qui a résulté en une chute. Directement dans la lave. On n'a jamais été aussi loin. On n'a jamais été aussi loin, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de bien. Et le chien est en train de se faire bolosser absolument gratuitement. Ce biome est super anxiogène, hein. Super anxiogène. Mais en tout cas, on n'est jamais allé aussi loin et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir.
Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, faites des dons. Qu'il se passe un truc positif pour moi, ce soir. Ah, vous saviez qu'il y a Amazon Prime ? Très belle entrée en matière, hein. Très belle réentrée en matière. Eh ben écoute... Ah non, mais ça va même pas marcher de faire ça. Très bien. Merci. Comme ça, on peut avoir le chien. Je veux le chien. Fallait arrêter sur cette bonne run. Ah bah non, il est même pas encore 22h. Après, on joue à Hades. Après, on joue à Hades, mais là, je veux refaire au moins encore un peu. Attends, les gars, moi, j'aime bien ce jeu, hein. C'est pas parce que... Merci beaucoup, le chevalier en lion. Ah, 1400 bits, putain, merci beaucoup. Des gros bisous. Merci beaucoup. Et c'est pas parce que je meurs en boucle et que c'est un jeu de sadique que je l'aime pas. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est marrant. Mais il y a des fois, t'as envie de péter un plomb. Je te déteste, toi. Tu le savais ? J'ai envie de le gommer. Viens là, viens. Allez, hop. Reviens. Vas-y, viens. Allez, hop, ta mère. Ça suffit. Peut-être pas tenter le diable. Oh, pas tenter le diable. Le chien de Hades, il est mieux. Ah bah, il est plus stylé, ça, c'est sûr. Après, il redonne pas les points de vie. 5 points de vie, mesdames et messieurs, c'est une exclusivité mondiale. Première fois que vous voyez ça sur Spelunky. En tout cas, avec moi. Ok, le chien. Rien va mal se passer, je te l'assure. Pff, tout ça, pourquoi ? Pour rien ? C'est non. Ah, il y a une caisse, une petite cassette ici. Ça peut valoir le coup. J'ai cru que c'était un ennemi, j'ai failli péter un plomb. Désolé les amis. Le chien est mort. Les amis. Je viens littéralement de dire les amis. Il faut m'interner, il faut faire un truc. A la base, quand je disais désolé les amis, je m'adressais au chien et au truc. Mais après, on aurait dit que je vous parlais à vous et du coup, c'était terrible. Tu veux des dindes? Bah écoute, on va essayer de l'avoir pour une fois les dindes. Allez, pour une fois, on va essayer de... C'est pas gagné. Pas te mentir que c'est pas encore gagné, frère. C'est bon, là? Allez. De rien. Et du coup, il s'en bat la race. Très bien, super. 3 graines, en tout cas, les leçons prochains. Peut-être qu'avec une deuxième dinde, il va pas me casser les couilles. Ça t'arrête bien, ton truc, hein. Servez-vous donc dans mon trésor. Quel trésor? Ça? Ok. J'ai l'impression qu'il y a un autre truc en bas. T'as un petit trésor caché, toi. Qu'est-ce que je suis content de pas être passé par l'autre côté? C'est ce qu'on est content de pas être passé par là, dis donc. Imaginez là, se réveiller avec deux mecs là. Ah ouais, mais il y en a encore une. Si je le ramène, est-ce qu'il me donne encore autre chose? Bah c'est trop tard. Je pourrais pas lui ramener celle-là malheureusement. Attendez 2 secondes. Je mets un plomb. Bah super.
Ça aura duré une frame. Mon bonheur aura duré une frame, vraiment. J'en ai marre de... Ce monstre est le pire monstre de ce biome. C'est vraiment le pire monstre de ce biome. Bon, ça marche comment ça, du coup? Ok, quelqu'un est mort. Ça arrive. Pardon? La frame d'invincibilité qui m'a sauvé. J'ai envie de me boxer les couilles actuellement. Encore une petite partie, encore une petite dernière. En fait, ce que vous avez pas forcément compris, c'est que je ne pouvais plus tirer avec l'arbalète, hein, vu que j'avais perdu la flèche. Parce que visiblement, il faut aller rechercher sa flèche à chaque fois. Ce qui est un enfer. Et là, elle était tombée dans les pics. Je l'ai bien mérité. Je l'ai bien mérité, je fais de la merde. Je vais mourir. Pas rassuré là. C'est bon, hein. Je suis un peu plus de lui. Je suis un peu plus de ce monstre de merde. Cassez-vous. Laissez-moi juste profiter de la vie. Ça va. J'ai juste regardé s'il y a un bonus là-dedans, mais... C'est bon, merci à tous. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de récupérer un point de vie, quand même. En tout cas, Spelunky 2... On aurait été jusqu'au monde 2, déjà. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On aura même été deux fois au monde 2. On aura vu deux biomes différents du monde 2, ce qui est cool. Sachant que le biome 1 n'a pas l'air de vouloir varier, hein, en tout cas. Après, on sait jamais, mais... ça c'est pourquoi. Ah, il me faut une clé, ok. Non mais le gars il me combo en plus. Ça va oui, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon chien est mort. Bon, bah allez, on va faire ça. Hein. Ça coûte peut-être un peu cher pour un truc dont j'ai même pas compris l'utilité. Mais bon. Il faut bien essayer des trucs. Hein. Vous savez quoi? Qu'ils avaient essayé des trucs. Je vois qu'on peut aller en bas, là. Je vais mourir, certainement, donc. Je vais essayer. Je veux savoir ce qu'il y a en bas. Mais est-ce que je vais avoir cette bombe? Je crois pas. Oh, si, j'ai peut-être avoir cette bombe. Est-ce que c'est cette musique? Oh, on s'est mis bien. A bientôt YouTube, on fera des nouvelles parties. Mets un pouce bleu, petit commentaire. Salut mon pote.